Allez les bébés, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de José avec Laurel. Je vous laisse regarder la vidéo et à tout de suite pour la fin. Alors, c'est la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. On a intérêt à faire un très grand match pour pouvoir bien confirmer notre résultat, notre dernier résultat à l'Etihad Stadium. La compo, ça va être la même. Hein, je vous. Bah, ça bugue. Allez, Tiet Stadium. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est la Ligue des Champions, les gars. Donc, pour info, j'ai accepté une offre de 11 millions pour Marcelo. Allez, on va acheter des jeunes. Hein. C'est bon. En vrai, il me saoule dans le jeu. Voilà, je le fais pas jouer. Alors, plutôt le vendre. On a besoin un peu d'argent. Je pense à des gros, des recrues énormes. Donc, dans la tête. Donc, voilà. Oh! Oh, Cyprien pour son troisième but en Coupe d'Europe. Oh, 1-0. Ah, on ne va pas le prendre. Soit pour jeu, qui casse-couille. De perdre ses matchs. J'avais pas fait gaffe que ça faisait ça. Regardez, tiens, on refait pareil. Ah, mais une fils de paille. C'était Panenko. Oh, Rudiger, t'es trop crevé déjà. Oh là 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 là. Ils sont cramés ces joueurs. Et mon capitaine, hein, Nabil. Ici, France, City, en plus, ils perdent 1-0. Tiens, ça tombe bien. On va leur prendre des points d'avance. Allez, tout de suite, changement tactique. Ça va pas qu'il y ait 2-3-1. Hop, c'est parti, Nabil. En place. Allez. On va lancer Bertrand Traoré. Je suis un peu malade. Je crois que je vais les avoir, mais. Shakhtar. Bien joué, le Shakhtar Shakhtar. Ouais, c'est nous là, hein. Grâce à Anto, merci Anto. Ouais. Et voilà le doublé. Regardez, c'est toujours pareil. La frappe, la parade d'Anthony Lopez, ça sera un corner. Défend bien, défend bien. Oh putain, Taras. Taras. Pop, chuck, jump. Voilà. Ah, laisse l'arbitre. Bon, voilà, ça nous arrange le match nul, je vous en cache pas. Qu'est-ce que ça va nous donner au classement de la Coupe d'Europe? Le match nul, 2 buts partout. Ils ont fait quoi? Ah, le TSG Hoffenheim a gagné. Je pense qu'ils avaient gagné au premier match. Je sais pas ce que ça va donner au classement de la Coupe d'Europe. Avant ce match face à Paris Saint-Germain. Voilà. Classement de la Coupe d'Europe. UEFA Champions League. Ah oui, ils sont premiers, mais on les affronte au prochain match, le TSG Hoffenheim, pour peut-être déjà acter la qualification au moins en UEFA. Voilà.
Non, même pas. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, de retour. Oui, il y a eu un petit problème, c'est que j'ai pas plu. J'ai perdu les fichiers du match face au PSG, donc il n'y aura pas ce match. On a fait un match nul, hein, un but, deux buts partout, il me semble. On va aller voir d'ailleurs les derniers résultats de notre équipe, l'Olympique Lyonnais, depuis qu'on s'était quitté. Après le match face au Shakhtar, bah, il y avait eu un match, voilà, un but partout au Parc des Princes à Paris, très bon résultat et une victoire 2-1 face au Nîmes Olympique. Donc, ça sera une vidéo du coup 100% Champions League tournée en deux temps. Du coup, j'ai fait une annonce sur Instagram au moment du tournage. En ce 4 avril, ça n'est pas un poisson d'avril puisque ça fait 3 jours que c'est passé. Je dis 4 avril, j'ai mis que c'était le moment du tournage. Bref, c'est un peu le tournage, donc vous savez, j'ai mis un message, vous l'aurez peut-être vu si vous êtes abonné, autrement, de toute manière, mon Instagram s'affiche au début de la vidéo. L'équipe, c'est du type, on va juste modifier quelque chose. J'ai fait un petit tour hein, à chaque fois dans mon équipe, voir ce que je pourrais améliorer. J'ai revu à la baisse un peu mes recrues que je voulais faire énorme. Ça sera du gros, bien évidemment, du très gros. Mais pas parce qu'on n'aura pas assez de fric. Donc autant ne pas promettre et de rien avoir comme un certain Jean-Michel Aulas qui promet monts et merveilles et qui a rien et qui vend carrément ses joueurs. Bref, bienvenue ici à Hoffenheim. C'est le Stadion Netter. Ouais, il y a tous les stades de Bundesch normalement. Le Stadion Netter d'Offenheim, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Un exploit face à Offenheim, peut-être pas non plus, faut pas exagérer, City est un grand club, bizarrement dans FIFA, ils sont pas bons. La frappe, et ça sera un corner, oui. Mais le corner avec dans la surface, c'est parti, et c'est Lopez. Et Touzard. Bien joué Memphis. Kevin Vogt. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu, c'est à la limite, c'est très bien joué par l'IA. Le centre et l'ouverture du score. 42e minute. Isaac Belfodil, l'ancien Lyonnais, formé à l'Olympique Lyonnais. Putain, mais c'est... Attention. Bien joué, gardien. Raphaël qui dégage. Oui, Memphis dans la surface. Quelle occasion pour l'international néerlandais. Donc alors, il joue pas. City, on peut pas voir. Allez, changement tactique, sortie 4-2-3-1-2. Kenny Tété, oui, entrée de Lucas Touzard, il est fatigué, il revient de blessure. Et l'entrée de Moussa Dembélé. Vous avez compris que c'est Memphis qui va passer à gauche. Un joueur que j'adore aussi, Moussa Dembélé. Enfin, j'adore tous les joueurs, ou presque, à l'OL. Ah, et l'entrée de Moussa Dembélé sur la pelouse du Stadion Netver, je sais pas quoi. Antonio Rudiger, Nabil Fekir. Allez. Bien joué Moussa. Bien joué avec Memphis. Memphis dans la surface. Memphis en retrait vers Nabil Fekir. Le capitaine la frappe du droit. Sans mauvais pied de santé faible. Quelle occasion pour l'OL. Oui, à Nicolas, oui, le centre de Nicolas Pépé vers Moussa Dembélé, ça va passer au-dessus, le vrai Moussa c'est au fond. Changement pour l'OL avec la sortie de Pereira, Da Silva, Raphaël, entrée de Bertrand Traoré, oui on n'a pas le choix, et l'entrée de Fernando Marsal à la place d'Antonio Rudiger. Et Kirtre, dégagé, Fernando Marsal. Et oui.
Moussa Dembélé, légalisation signée, Moussa Dembélé. Moussa goal, go 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 go. Moussa goal. Voilà, match nul dans quelques instants entre l'OL et Hoffenheim. Voilà, fin des 90 minutes. Match nul, 2-2 entre l'Olympique Lyonnais et le TSG Hoffenheim. Voilà, on ne mérite pas trop, mais bon. Donc on va voir les conséquences en Ligue des Champions au classement. Tout de suite, avant de se quitter les poteaux. On s'en fiche, bref. Il y a ce match face à Angers, mais on le fera pas en vidéo. Bref, la Ligue des Champions. Donc l'OL, voilà, toujours. Est presque sûr de jouer une UEFA. Ils ont fait quoi Ah, 2-2, ils ont pris un point. Enfin. Bref, voilà les amis, on se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Qui chale palier à la prochaine.